Je vais profiter de ce super setup avec la lune pour vous parler d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. C'est une vidéo que je disais que j'allais prendre des douches froides pendant un mois. J'ai dit dans cette vidéo-là que j'allais poster la vidéo et qu'après ça, j'allais comme attendre 30 jours. Puis qu'après ça, j'allais faire un autre pour vous dire comment ça s'est passé. Mais dans le fond, j'ai commencé le truc. J'ai filmé la première vidéo. J'ai continué à faire mon mois. J'ai pris mes douches froides. C'est fantastique, je vais vous en parler après. Puis, rendu 30 jours après, j'ai posté la vidéo. Fait que déjà là, ça n'a pas marché. Mais là, je fais ma vidéo d'update, puis j'en profite juste parce que le setup est vraiment nice. Puis là, je vais juste checker si je suis dans le focus. Je suis dans le focus, mais je vais m'approcher un petit peu. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les douches froides, dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné ça m'a donné une rigueur dans mes affaires. Ça m'a donné une façon de m'en remettre à zéro, de m'en remettre à comme... resetter mon corps. Fait que quand je revenais de l'entraînement, je faisais ça, puis ça faisait super du bien pour mon corps, mes muscles. Puis chaque matin, je faisais ça, ça me revigorait. Puis quand je me sentais pas bien, je me sentais, c'est pas tout là, je prenais une douche froide, c'était comme un reset de système. Puis je l'ai fait pendant 30 jours, j'ai pas skippé une journée. Il y a une journée que j'ai juste pas pris de douche, mais ça c'est parce que c'était un gros dégueulasse. Mais non, il y a une journée que j'ai juste, j'ai pas triché. Je pense qu'il y a une soirée que j'ai triché, que j'ai pris une douche chaude, mais genre après ça, j'ai tout de suite mis au froid parce que je me sentais mal, puis ben, ça filait juste comme du confort pas mérité. Fait que j'ai commencé à prendre une douche froide, puis là, j'ai continué à en prendre un petit peu, des fois, un petit peu souvent, juste pour me sortir de mon confort que j'ai vraiment, puis que c'est ça. Fait que maintenant, pour me remettre à ma place, pour me resetter, je prends les douches froides, c'est fantastique. Ça remet tout le corps en vigueur, mais là, voyez-vous, ça fait longtemps que j'en ai pas pris une. Longtemps, ça fait genre 2 semaines, je pense. Fait que là, je vais aller retourner en prendre une, puis ben, je suis pas mal sûr que ça va aider. Puis anyway, en ce moment, avec tout ce qui se passe, j'ai pas grand chose d'autre à faire que de faire des vidéos, puis de checker comment une douche froide, ça affecte mon corps, puis mon humeur en général. Fait que, en plus de l'isolement, puis du sentiment d'être seul dans la vie, ben, je vais offrir en tabarnane. Ça va être le fun. C'est vrai, c'est plus que ça, les douches froides. Ça rend, pour vrai, c'est. Tout le monde devrait essayer ça, c'est vraiment le fun. Je vois dans ma vie en ce moment que cette rigueur-là, cette affaire-là que j'ai pris avec mes douches froides, fait encore de l'effet aujourd'hui parce que maintenant, quand je suis paresseux, puis je pourrais là, juste rester chez nous, là, puis absolument rien faire, puis être couché, puis. La quarantaine. En gaming, puis en mangeant des Cheetos, vidéo qui s'en vient. Puis. Mais je le fais pas parce que je me dis, OK, fais ça, puis je m'auto-flagelle. Mais c'est pas que je m'auto-flagelle pas, mais cette rigueur-là que m'a apporté les douches froides m'aide dans ma vie encore à ce jour, même si j'en prends plus autant. Fait dans le fond, si je suis capable d'attraper la lune puis de la ramener jusqu'ici, est-ce que vous allez essayer de prendre une douche froide pendant 30 jours? Garde. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire pendant cette période de quarantaine? Alright. J'ai la lune, donc vous devez prendre 30 jours de douche froide. C'est pas une phrase qui se fait, mais je peux pas faire mon tour de magie deux fois, OK? Fait que je vais garder la phrase, puis je vais garder mon tour de magie. Merci.